Qu'est-ce que tu travailles? Comment tu le fais? Est-ce que c'est qu'avec les entraîneurs? Est-ce que tu en fais en plus en dehors? Est-ce que tu vas chercher à t'inspirer d'autres choses, d'autres sports pour progresser? Comment tu t'organises un peu tes entraînements? Non, après la vidéo, ça aide beaucoup. La vidéo, répéter les mouvements, répéter les enchaînements, ça aide à avoir des repères, à savoir ce qu'on fait et notre utilité sur le terrain. Après, regarder ce que font les autres joueurs aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Comment eux, ils abordent un contest ou comment ils se déplacent sur le terrain. C'est vrai que ça fait progresser, on apprend de nouvelles choses, on voit d'autres manières aussi d'évoluer sur le terrain et je pense que c'est toujours intéressant. Développer la course, je pense que c'est essentiel pour mieux se déplacer sur le terrain, être plus rapide, plus endurant et enfin savoir courir, c'est courir vite et sans dépenser d'énergie. Donc c'est sûr que c'est un plus d'aller piocher vers l'athlète, la technique de course. Et on voit que nous, rugbyman, on ne sait pas entre guillemets courir parce que quand on prend des cours avec quelqu'un de l'athlète, il nous dit, il nous corrige sans cesse et rien que les petits détails, ça nous permet d'avoir une course plus fluide, plus perdre moins simple et d'énergie, perdre d'être moins plus d'énergie efficace. et aller plus vite. Ouais.